Eh bien, salut tout le monde! On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur WWTSUKI 18. J'espère que vous allez bien, parce que moi, ça va, je vous remercie. Pour ceux qui ne le savent pas, eh bien, ce week-end, la nuit de dimanche à lundi, à 2h du matin et à 1h du matin, au niveau du kick-off, c'est le pay-per-view exclusif à Raw, c'est Elimination Chamber. Voilà, pour ceux qui ne le savent pas, comme je l'ai dit, n'oubliez pas que à 1h du matin, eh bien, il y a le kick-off qui est disponible gratuitement sur la chaîne YouTube de la WWE. Voilà, je le précise à chaque fois, parce qu'il y en a qui le savent peut-être pas. Et au moins, c'est gratuit, ça mange pas de pain. Comme d'habitude, une petite dédicace à Catch News, le partenaire, parce que c'est toujours là-bas que je vais pour savoir les stipulations, les matchs, etc., etc. C'est plus simple pour moi, donc une grosse dédicace à eux, comme d'hab. Et puis, on va commencer ces vidéos, parce qu'il y en aura peut-être 3 ou 4. Et on va commencer par l'Elimination Chamber, match féminin, voilà. Que je pense qu'on va commencer par ça, c'est plutôt cool, on est à 6, hop là, je vais vous pronostiquer durant le combat qui je pense être la plus apte à gagner, et pourquoi. Alors là je dois prendre qui, c'est la question que je me pose, et j'ai envie de tester une superstar personnalisée que j'ai prise, parce que j'ai besoin de superstars, comme Mandy Rose, Mickie James, Sonya Deville, ne sont pas disponibles dans le ressort de base, hein, du moins pour la version 18. N'oubliez pas aussi de laisser un petit like si vous en avez envie. Et merci aux petits loups qui laisseront le petit like. Allez, moi je voulais prendre Mandy. Voilà. Mandy, non, je vais la prendre la tenue numéro 1. L'entrée, je vais mettre aléatoire parce qu'on ne sait pas du tout dans quel ordre on va rentrer. Ensuite, on va prendre... Alors il y a qui? On va prendre Alexa Bliss, tiens. On va mettre un ordre assez aléatoire. Alors, Alexa, c'est fait. Ensuite, Bailey, voilà. Parfait. Chasa Banks, ah non, dommage. On aurait pu le faire. Eh ben non. Chasa Banks ici, aléatoire aussi. Non, là c'est personnalisé. On va mettre Mickie James. Tiens, je vais la mettre comme ça en vert. Je pense qu'elle va plutôt être en vert. Et on finit par Sonia. Voilà. Alors, bien entendu, il y a le match pour le titre. Alors, je l'active. Hop là. Sonia, tiens, je vais la mettre en bleu. Pourquoi pas. Et, option du match, l'arène. Ah, de toute façon, on ne peut pas modifier, parce qu'il n'y a qu'une arène pour être Elimination Chamber, forcément. Je me suis fait avoir. Bon, on peut commencer. Bon, allez. Ah non. Oui, mais non. Voilà, on est bon, parce que j'avais oublié que, vu que j'avais perdu, il me semble, dans le match avec Sasha Banks, du coup, c'était elle la championne, voilà. Là, on a remis les choses dans le contexte, on est bien, on valide, et on est OK. Voilà. Bon, ça m'a pris 2 minutes, pour vous, ça vous a pris rien du tout, parce que j'ai fait la coupure. Alors, pour mon pronostic, comme je l'avais dit durant ma vidéo, parce que j'ai sorti une vidéo hier spéciale pronostic, eh bien, je pense qu'Alexa Bliss va rester championne. Ou... si elle perd son titre, si elle doit perdre son titre avant WrestleMania, ce qui sera un petit peu dommage. Mais si c'est le cas, eh bien Mandy Rose, c'est pour ça que je l'ai prise, elle va être championne, voilà. Après, n'hésitez pas à vous à me dire en commentaire qui d'après vous peut gagner ce premier... que, en fait, au-delà de la ceinture, c'est qui va gagner le premier Elimination Chamber. C'est ça le plus important, en fait. Parce que le Royal Rumble, ça a été qui déjà? C'était Asuka. D'accord. Sasha Banks s'est passée pas très loin, parce qu'elle est quand même venue assez tôt et voilà, elle est restée. Est-ce que ça va lui faire le deuxième coup? Voilà, on fait un Elimination Chamber pour la première fois, féminin. Et bien cette fois-ci, oh bah sur but, voilà. Alexa Bliss en tant que championne, dès le début, voilà, je vais pouvoir vous parler un petit peu. Elle est là pour défendre son titre, pour dire moi je commence, voilà. Je suis la championne, et bien je suis championne et je vous montre pourquoi. Donc oui, comme je vous disais, pour Sasha Banks, voilà, c'est faut voir. Après, vu comment on y va, on aura aussi des matchs... je sais pas s'il y a déjà eu un ladder match, un TLC, en féminin. Je sais pas s'il y a déjà eu ça. Mais bon, on va dans la direction du... comment dire, tout ce que les hommes font, les femmes le feront aussi. Voilà. Et c'est bien que le Royal Rumble féminin... était très sympa. Franchement, on a vu d'anciennes divas et tout, c'était sympa. Surtout que, bon, on savait qu'Asuka allait sans doute gagner, mais moi je trouvais ça bien. Voilà. Alors, moi je pense que la prochaine, c'est Sonia. Vous allez voir. Sonia va être la troisième. Je le sens.
Ah, Bailey. Ok. Moi j'aime bien les matchs Elimination Chamber, sauf que souvent ils bug. Parce que je sais pas, on dirait qu'ils ont du mal à avoir beaucoup de participants, surtout dans un mode de jeu comme ça. Et j'ai toujours essayé de grimper. Et à chaque fois que je prends une superstar, bah moi elle grimpe pas. Voilà. Je suis le genre de personne qui arrive pas à faire grimper au rideau. Si on peut dire ça comme ça. Mais bon, c'est pas grave. Bailey qui rentre, elle est en train de dire à tout le monde, hey, les minettes, j'étais mis un petit peu de côté, hein, c'est vrai. Oh, magnifique. Combat entre l'ex-championne et la championne de maintenant. Désolé si j'ai un peu du mal à parler. En fait, depuis tout à l'heure, je bouge ma tête comme un âne, parce que j'ai un torticolis un petit peu. Voilà. Donc je m'excuse si des fois, le mouvement de mes phrases n'a pas lieu d'être le mouvement de mes phrases en même temps. Le mec, il parle pas français. Allez, faites-moi rentrer. Faites-moi rentrer. Ah, ok. Bah ouais, je dis Sonia. Bon, elle a pas ses tresses. J'ai trouvé plusieurs Sonia. C'est comme j'ai trouvé plusieurs Mandy Rose. J'ai trouvé plusieurs Mickie James. J'essaie de prendre une qui m'avait l'air bien. Après, je les ai pas testées avant. Ça, c'est le principe. J'aime bien. Ouh là là. Mickie James a m'a l'air énervé. Hein. Est-ce que je vais rentrer en dernière? Est-ce que je vais rentrer en dernière? Parce que quand tu rentres en dernière position, on va pas se mentir, ouf, tu pars favori. Si tu rentres, enfin, si tu es la dernière personne à participer et que tu perds, t'as aucune excuse, ok? Si tu commences le match comme il s'est passé pour Alexa ou Mickie, tu peux dire bon, voilà, j'ai perdu parce que je me suis épuisé, on m'a fait mal dès le début, voilà. Mais si t'arrives en dernier, ah non, ça va. J'ai l'excuse du... Eh bien, je suis quand même pas arrivé en dernière. Attends, pousse-toi, Alexa. J'arrive! Ouh là 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 là, magnifique! Tiens, un petit coup de pied, là. Voilà, battez-vous en haut. Moi, j'en profite, je mets des grosses claquounettes. Comme elle aime bien. Nice. Voilà, on est bien, là. Le plus important, souvent, c'est de faire une bonne entame de match. Dès qu'on arrive, il faut montrer, voilà, vous avez vu, qu'on n'est pas là pour rigoler. Bah, là, je pense qu'elle l'a compris. Ah, elle l'a compris, mais elle se laisse pas faire. Ah, je vais... Un petit peu tôt, j'avoue. J'ai appuyé un poil trop tôt. Voilà, Sasha Banks... Comme quoi, elle rentre au Rumble numéro 1, ou par-dessus les deuxième et troisième cordes. Ah oui, là le vrai problème, ça va être... Ouf, c'est quand même... Ça va être de changer de concurrente. Parce que voilà, c'est ce système-là qui est bien quand tu fais du 2 contre 2 au pire. Mais là, dès qu'on est 6, c'est pas évident du tout. D'accord, tranquille. Faites-vous plaisir, hein. Non, moi je veux Alexa. Voilà. Oh mais Alexa. Wow, 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 wow. Qu'est-ce qui s'est passé là? Et c'est bon. En fait, à chaque fois que j'attaque Alexa, elle se laisse pas faire. Hein. Non, 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 Mickie. Voilà. Parfait. Et bim. Aucune pitié là, non mais oh, pas de pitié pour les croissants. Bon, bah. Contre-moi autant que tu veux, comme ça. Maintenant, c'est fini pour toi. Ah bah oui. Tu m'as contré au début. T'as un finisher, c'est très bien pour toi. Mais tu peux plus me contrer. Et sache que je vais en profiter. Non, non, mais... Mickie. Là, c'est bon, c'est bon. Mais toi, oh là là, d'accord. Mais toi, oh là là, oh, d'accord. Voilà. D'accord, bon, je vous laisse, hein. Dites-le si je vous fais chier. Est-ce que je peux sauter? Ah, elle saute pas, elle. C'est dommage. Enfin, elle prenait pas mes mots pour ce qu'ils ne sont pas. Youhou! Ok. Je me suis fait plus mal qu'autre chose. Allô, monsieur l'arbitre? Monsieur l'arbitre, s'il vous plaît. Ah, d'accord. Elle l'a sorti ou pas? Que j'ai un peu du mal à voir, là. Wow.
On se calme. S'il vous plaît. Voilà, battez-vous entre vous. Ça c'est ce que je veux. Voilà. Non. Ah, t'élimines, d'accord. Sonia, elle est juste, waouh. Tu me laisses l'attraper? Je te dis, tu me laisses l'attraper. D'accord. Si tu veux pas, bah c'est... Eh ben tant pis. Non mais voilà, non mais c'est bon. T'inquiète, non mais y'a pas de problème. Ah, y'a pas de problème, je t'ai dit. Aïe, aïe, aïe. Y'a pas de problème. Des problèmes, eh bien... Deux. Voilà, simplement deux. Mais je t'ai dit quoi? Là, je suis déjà KO. Enfin, en fait, on est toutes déjà KO. Ça va très vite. Et pour l'instant... on a fait un bon début. C'est vrai. Quand il me dit trop tard, c'est vrai. Faut pas que j'oublie qu'aussi... Ah voilà. Ça grimpe. Sacha, s'il te plaît, est-ce que tu peux arrêter Spider-Man? D'ailleurs, Spider-Man, c'est le mot magique. Je l'ai contré là. Je pense l'avoir contré. Voilà. Toi, tu vas manger ça. Voilà, c'est bon. I'm Spider-Man, Spider-Man. I'm gonna be the Spider-Man. Find a go! Spider-Man. Pardon, excusez-moi. Il m'a soué un peu en flamme. D'accord. J'ai sauté à la Rissa, enfin une balayette. Pendant que je sautais, que je me suis trompé. C'est fort. Allez, on fait attention. Mickey, elle a quand même un finisher. Non, Mickey. Oh là là, Mickey. Sacha, s'il te plaît, aide-moi. Aide-moi, Sacha. Bon, j'ai utilisé ma révolte. C'est une bonne chose. Mais. Voilà. Je me sens pas très confiante. C'est bon là, voilà. Prenez-vous ça. On pourra dire que cette Elimination Chamber, je le domine pas. Ça, c'est une chose claire et nette. Ah. C'est bien. On n'est plus que 3. Sacha, au niveau de l'énergie, elle est vraiment bien. J'aurais bien voulu qu'elle utilise son finisher sur Sonia. Ah bah tiens. Fais-la abandonner. Vas-y. Ah non, elle va taper. Vous allez voir, elle va taper. Et dès qu'elle tape, moi je tape. Vous allez voir. Je suis tel un hibou des bois. D'accord. Bon, t'as de la chance, toi. Viens. Tiens. Bim, petite clacounette. Ah, ok. Pas de problème. Waouh. En plus, on n'est pas sur le ring. Ça fait plus mal, là. Tu le fais exprès? Alors, regarde les enfants qui nous regardent. Prends ma tête pour une serpillière, t'as raison. Hein? Y'a pas de problème. Fais-toi plaisir. Tu vas voir, moi je vais te montrer la serpillière. Qui sait? Ah ouh. C'est bon là, voilà. Bon, y a un moment. Bim! Le finisher qui passe. Parce que là, il y a un moment. Voilà, allez, salut. On va tenter de tomber, pourquoi pas. Hey. Elle a quand même pris beaucoup de dégâts. Hein. Devant Sonia. Et ça passe. Ça passe, les amis. Attendez. Ça passe, c'est bien, ça. Toi, voilà, va par là. Par contre, s'il te plaît, Sacha, oust. Ouais. On récupère un peu d'endurance. Non. Ça c'est bien, puisqu'elle peut plus me contrer là. On en profite les petits loups. Alors, relève-toi. Et bim. Voilà, 99%. D'accord. Voilà. Là, on va pouvoir peut-être contrer, donc on attend bien. On fait le tour. On observe les lieux. On fait l'état des lieux, on pourrait dire ça comme ça. Allez.
faut que ça passe. Voilà, parfait. Et là, le finisher chargé. On l'attend. On le charge. On est bien. On est armé. Allez. Voilà, c'est bon, ça passe. Ça passe. Je sais pas s'il y a un tombé enchaîné ou pas, mais normalement, je pense que c'est Elimination Chamber. On a eu du mal. Mais peut-être que... Attention. 1, 2, et... Simplement 2. Ah, j'ai... Franchement... J'y ai cru. Je vous l'avoue. Attends, je te piétine, là. J'y ai vraiment cru, malheureusement. Ah, ouais. Ça passe pas aussi simplement qu'on pourrait l'espérer. Oui, je sais, public, je sais, vous inquiétez pas. Je m'occupe d'elle. Elle va rien comprendre. Toi, tu vas finir à la casserole. Non, 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 c'est pas possible. C'est pas possible. Non, non, non. C'est bon. Oh non! Non. Allez, oui, c'est bon. On était mal, hein. On était mal. Ah ouais. Non, 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 eh. Tiens. C'est bon, là. J'avoue, le premier, ça allait. Mais dès que j'ai vu qu'elle a réussi à renverser la vapeur, j'ai fait... Attention. Attention, si tu te prends la soumission, c'est pas évident. Tiens, tes jambes, voilà. Bah, je te tape. Tiens, coup de genou. Coup de genou. Pardon, excuse-moi. C'est bon, là. D'accord. Très bien. Tout va bien. Non, tu vas pas te relever. Ah, bien joué. Je m'attendais pas, là, par contre. Ah, oh, oh, oh. Ah ouais. T'es comme ça, hein. Et non. Et non, ma petite. Ah ouais. Ça, ça passe. Et quand ça passe... Je te montre comment on fait, d'accord? Je te montre comment on saute. Pas la deuxième, mais la troisième corde. Regarde. D'accord. Voilà. Être imprudent. Voilà ce qui m'arrive. Oh, trop tôt, mais non. C'est pas trop tôt. C'est jamais trop tôt. Faut surtout pas la laisser avoir son spécial. Ah, je vais. Ah non. D'accord, je pensais qu'elle allait m'attacher au niveau du coin. Ah, je le sens mal. Ah, mais genre, il me dit trop tôt. Mais t'es cinglé. C'est jamais trop tôt, je dis. C'est ça, repose-toi. Ah ouais. Bouge tes cheveux comme une rockstar. C'est ça. Aïe. Oui, c'est bon. Je l'ai contré, là. Ou elle a fait une bêtise, je sais pas. Dans tous les sens. Dans tous les... what? Elle a fait une Hercule Satan ou quoi? Hop là. Vraiment. Ça. Ça, tu te relèves pas. Et vous savez quoi? De toute façon, pour être sûr qu'elle se relève pas... Allez. C'est bon. Pour être sûr, là, c'est clair et net. Tu vas pas te relever. Tu peux faire ce que tu veux... Après ça, vous avez la violence qu'elle a mis là. Quand elle l'a jeté. T'as beau être Sonia, tu te relèveras pas. Voilà, t'as plus sur la tête. T'as plus sur la tête. Mais c'est bon, Sonia, là. Qu'est-ce qui se passe? Tiens. On n'en parle plus, c'est bon. Allez, le petit coup de genou sur la face. Seth Rollins Styles. Et bah voilà. Il lui fallait le petit coup de genou, c'est passé. Difficilement, mais on a réussi. En tout cas, je suis assez content. Parce que franchement, c'était... Voilà, heureusement qu'on a fait la révolte, finalement, quand Mickey nous a fait le tomber. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit like, ça me ferait extrêmement plaisir. Et puis sinon, je vous dis à la prochaine, portez-vous bien. Et puis c'est tout. Allez, salut!
impressive showing for the win tonight. Let's not overcomplicate things. This business is simple. It's all about wins and losses. And it sure looks to me like somebody has figured that out. We've seen some amazing matches over the years here at Elimination Chamber. And I'd have to say that one ranks right up there with the absolute best.